Commence par des images d'un incendie qui a touché un immeuble d'Allonnes cet après-midi. Et oui, le sinistre s'est déclaré entre 15h30 et 16h dans un appartement situé au troisième étage de cet immeuble du 2 rue des Bleus et à Allonnes. Le feu qui aurait pris dans la chambre des enfants d'un appartement du troisième étage donc s'est rapidement propagé avant de gagner l'étage supérieur, détruisant entièrement un second appartement. L'origine du sinistre serait accidentelle. Des alarmes anti-incendie ont été entendues. Aucune victime n'est à déplorer. Mais une quarantaine de riverains et voisins ont dû être évacués. Ils ont été accueillis par la ville d'Allonnes dans une salle municipale. Je vous propose d'écouter Catherine Boucher. C'est la première adjointe du maire d'Allonnes. La police et les pompiers sont intervenus tout de suite. Il a fallu évacuer tout le périmètre, bien entendu. Et nous, la ville d'Allonnes, nous allons accueillir les familles qui sont dehors pour le moment, à la salle Guy Moquet, avec un chocolat chaud, du café, pour rassurer tout le monde. Et les deux familles qui sont impactées directement par l'incendie, c'est-à-dire qui ne vont pas pouvoir rentrer dans leur appartement ce soir, seront bien entendu relogées.